Whenever France falters, a watchful providence sets in the angry sky a star to guide her. After the Revolution and Napoleon's wars, France was exhausted. Everywhere were excesses. Nowhere a savior. But one evening in 1818, on a little country road, a humble village priest traveled to his parish, bringing the eternal message. Humble and lowly, rich only in his faith, so poor in his studies, he was barely ordained, sent to the most wretched of villages. A simple soul, a peasant. Nothing about him remarkable. Nothing. Except this strange ripple. That shadow lying in wait there. C'est vous qui faites ce grincement en marchant, Madame Bibost? N'entends rien. J'avais l'impression qu'on nous suivait. J'avais un voisin qui entendait courir des rats. Mais il était sous du matin jusqu'au soir. Ce qu'ils appellent le délirium. Sauf votre respect, monsieur le curé. Merci, mon petit. Tu m'as montré le chemin d'art. Je te montrerai le chemin du ciel. Tu ferais mieux de reprendre tes clics et tes claques. Ils sont tous à moi, ici. C'est un peu fort. T'as entendu? Quoi? Parler. Tout à l'heure on marchait, maintenant on parle. Ça vous arrive souvent d'entendre des voix? Non, jamais. C'est parce que vous avez le ventre creux. Avec vos jeunes, vous vous ruinez la santé. Et c'est pas à ce que vous allez gagner de quoi vous nourrir. Oh, je sais pas de besoin, ma boss. Allez, on n'en a plus pour longtemps. Allez, en route, viens. Eh ben, allez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Fais demi-tour. Non. Tu vas perdre ton temps ici. Perdre mon temps? Jamais cette paroisse ne pourra contenir tous ceux qui plus tard y viendront. À cause de toi? Eh bien, voilà un beau péché d'orgueil pour commencer. Il n'y a pourtant rien qui retient le cheval? Non. Il n'y a plus rien maintenant. Viens,
Celui-là. Mais c'est toi, Georges, tu parles pas, hein, tu fais ça porte-malheur. Meurs ? Ouais, attends, je vais te faire déguerpir, moi. Oh ben non ! Surtout, n'interrompez pas cette fête pour moi, mes amis. Nous avons bien le temps de faire connaissance. Oui, je suis votre nouveau curé. Quoi ? On n'en veut pas de curé, t'entends ? On n'a pas besoin de marchand au bénit. Ça fait déjà un conseil à te donner, c'est de retourner d'où tu viens. Bien dit, monsieur le curé, que c'était un pays de mécréants. Mais non, vous êtes trompé, mère du boss. Faut pas si méchant qu'ils en ont l'air. Bravo, voilà qui est parlé. Allez, allez, venez, on va vous offrir un verre. Oh, si c'est pas malheureux que t'as chien d'appareil. Eh ouais. Tu es un connaisseur? Dans mon village à Dardilly, on cultive aussi la vigne. Ah oui? Allez. Merci. À la vôtre, monsieur le curé. Bonne santé. Bon. Du vin d'ici, ça ? Oui, oui. On va y aller tout de même du meilleur. Quoi ? Tenez, si vous le permettez quand je serai installé, il me fera un plaisir de vous donner quelques conseils. Merci. Pourquoi travailler dans une ferme ? Un ouvrier de la terre. Hein? Mais il a raison, c'est de la piquette. Non, pas de la piquette, répète-le. En tout cas, vous êtes bien content de quoi? Ah, on ne veut pas. Ah, oh, c'est parce que vous vous mariez pas à l'église qui s'est payé votre tête. Pas du tout, non. Si je m'arrive pas à l'église. Et regarde. Donc seulement qu'un jour, je regretterai. Tu as entendu? Il nous a acheté un sort. Laisse le corbeau pousser son fils. Je serais bien les couilles. C'est la clé. Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, madame. On vous dérange, madame. Excusez-nous. C'est un plaisir, au contraire. Si vous saviez comme ça me crevait le cœur de voir le presbytère vide. Mais malheureusement, on ne m'a pas annoncé votre arrivée. Et j'aurais donné un coup de balai. Oh, non, non, non. Chasser les araignées. Oh, non, non, non. Oh, allez, vous avez vu la piquette à mes notes. Vous allez me donner des nouvelles là ou pas là? Il m'a attendu, soit crevé. Oh, monsieur le curé, vous allez avoir une bien mauvaise impression de votre futur logis.
est là. La chambre est au-dessus. Mais c'est beaucoup trop gros pour moi. À qui appartient ceci? À la châtelaine du pays, mademoiselle Dégaré. Elle l'avait offert à votre prédécesseur. Il faudra les lui rendre. Je ne veux pas vivre dans un palais. Et cette porte-là, vous donne-t-elle? Elle est dépendante. Bon, eh bien, soyez donc assez aimables pour y ranger tout ce qui ne nous appartient pas. Il a l'air encore jeune. 32 ans. Dire qu'il y a des imbéciles qui sacrifient leur bonheur à une chimère. Vivre dans un taudis pareil. Et pourquoi? Tu as vu tes oreilles? Jamais tu ne les empêcheras de se vautrer dans leur vice. D'ailleurs, ils sont heureux comme ça. Ils n'ont que faire de ce paradis que tu veux leur promettre et qui n'existe pas. Si tu es Satan envoyé par l'enfer pour me tenter, dis-le. Appelle-moi comme tu voudras. Il n'y a pas plus d'enfer que le ciel. Honte. Dieu est mort il y a des millions d'années. Alors pourquoi viens-tu me tourmenter si c'est pas pour m'arracher à lui? Parce que j'aime les humains, moi. Je veux qu'ils soient heureux sur la terre, puisqu'il n'y a que la terre. Souviens-toi qu'en faisant leur malheur, tu feras aussi le tien. Garde tes conseils pour toi. Et tu peux t'en aller, tu entends? Quoi que tu fasses, je suivrai la voie que Dieu m'a tracée. Ça lui arrive souvent de parler seul. Mais non, ça a commencé en route. Eh ben, il nous manquait plus que d'avoir un curé détraqué. Détraqué? Faites attention à ce que vous dites, hein. Parce que Jeanne d'Arc était détraquée, elle. Vous n'allez pas le comparer à Jeanne d'Arc, votre jeune curé. D'abord, les saints, c'est aussi rare que les beaux jours. Et puis, c'est facile à reconnaître, ils ont une auréole sur la tête. En tout cas, je sais pas ce que vous avez sur la langue, vous. Mais ça fait bougrement du bruit pour rien. Bon. Eh ben, qu'est-ce qui arrive, Mère Bupost? Nous avons presque fini de vider la charrette. Il faudrait nous dire où vous voulez qu'on mette tout ça. Oh, laissez donc, je m'en arrangerai bien. Alors, un des petits paroissiens, sans doute. Vous n'ayez pas peur. Approchez de vos voitures, vous mangera pas. Comment tu t'appelles? Marcheron Pierre. Marcheron Pierre. Et ton père, qu'est-ce qu'il fait? C'est le fossoyeur. Ah. Il a du travail? Il dit que ça va. Ah, je te fais peur. Ça y est, je l'ai piqué! C'est pas malheureux de voir une pareille graine d'échafaud. Oh. Que voulez-vous? Ils ne savent pas, ils suivent leur instinct. Pour le moment. Ah, vous pensez donc les mettre dans la bonne voie? Bien sûr, pourquoi pas? Ben oui, votre prédécesseur y avait renoncé. C'est vrai qu'il était malade et découragé. C'est genre, c'est quelque chose. Je suis le sacristain. Oh, je suis très heureux de vous connaître, monsieur. La certitude que nous nous entendrons très bien. Qu'est-ce qu'on vous a fait, monsieur le curé? Oh, rien. Pauvre pays, pauvre jeunesse. Inutile de faire du feu, Mère Bibos. Il faut pourtant que je vous fasse un peu de soupe. Non. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Oh, rien pour ce soir. On verra bien demain. Vous avez peur, monsieur le curé? Vous n'allez pas repartir? Il fait pénitence pour eux. Le bon Dieu en aura pitié. J'ai l'impression que vous allez vous tuer pour rien. La souffrance expiatrice n'est jamais perdue.
non, ma bonne mère Bibost, il est temps d'aller trouver une chambre, vous allez encore vous mettre en retard. Bonne nuit, mère Bibost. Bonne nuit, monsieur le curé. Allons, ne tremble pas, Vianney. Sais-tu de quoi tu as peur? De ta solitude. Tous les hommes sont voués à la solitude. Leur âme est enfermée dans une carapace de fer. Il n'y a que l'amour qui puisse la briser. Oui, l'amour de Dieu. Non, ce que j'appelle, moi, l'amour. Toi. Si tu le connaissais, ce ciel-là, tu n'en voudrais pas d'autre. Je veux leur faire gagner le paradis de Dieu. Voyons, tu ne vas pas perdre ta vie à t'occuper des autres qui te haïront si tu les aides. Qu'importe, ils me haïssent si je parviens à leur faire aimer notre Seigneur. Tu es jeune. Justement, j'ai toutes mes années à leur consacrer. Tu es plein d'ardeur. Je vous l'offre, toutes, ô mon divin maître. As-tu remarqué les filles qui t'entouraient tout à l'heure? Rentre pas, Grappin. Si t'as rien trouvé de mieux depuis Saint-Antoine, tu peux t'adresser ailleurs. Non, parce qu'il n'y a rien de mieux que la chair. Tu sens comme la tienne brûle. Oh mon Dieu. Je tuerai l'esprit du mal jusque dans mon corps. Puisque tu crois que Dieu a tout créé, c'est donc lui qui a créé le mal. Oui, le bon Dieu a créé le mal pour qu'on l'écrase. Non, pour qu'on en jouisse. Jésus! Oh mon Dieu, ne m'abandonnez pas. Louis XVIII, enjoint les maires de toutes les communes de France de procéder au recensement des emblavures. Et pourquoi et je vous demande? Sans doute pour nous faire suer un peu plus d'impôts. En 90, la République a supprimé la gabelle. Faut bien que les rois se rattrapent dans quelques jours. Ah mais il s'en moque sans vous, il n'a pas de au soleil. Et la taxe sur les fers. Et nous qui la payons quand on a besoin de tes services. Vous entendez? C'est le nouveau curé qui sonne sa messe. J'espère qu'on va pas le laisser s'installer ici, celui-là. À l'étranger, qui traite notre bande piquette. N'a aucun texte de loi qui me permette de le faire expulser. Aucun texte? Et après? Est-ce qu'on est les maîtres de la commune, oui ou non? Si ça nous plaît à nous de pouvoir curer, c'est notre droit. Erreur! On est toujours sous le régime du concordat du 18 germinal de l'an 10, qui assure le libre exercice du culte sous réserve des règlements de police. Eh bien, des règlements de police, on n'a qu'à en faire. Mandy n'est peut-être pas fâché du triomphe de la réaction. Il a fait baptiser ses gosses, lui. Et votre mère, Berthélémont, est-ce qu'elle a pris un prêtre en réfractaire pendant la Révolution? Prêtre! Mais moi, je n'ai pas tiré les bottes de l'empereur! Je n'ai pas tiré la bagarre!
dis, me fais les. Laissez-vous, nous arrangeons ça. Oui, j'essaie de les dégeler un peu, mais je compte pas sur un gros succès. Hein? Alors vous croyez que nous n'aurons pas beaucoup de monde? Sans douleur par le professeur Carnot, relogé des cours de Russie et d'ailleurs. Voici le non coupable, le psychodouloureux, dont la carie allongée des humeurs est plus de riz et de sang. En moins de temps qu'il faut pour le dire, et sans que la patiente puisse s'en apercevoir. Je vais vous dire, vous aurez la demoiselle du château. Oui, bien. Adieu. Pardon. Les jeunes Lassagne, et puis leur mère, et puis aussi quelques, si j'ai bien compté, ça fera 6, peut-être 7. C'est tout? Mmh. Eh bien, nous paierons pour les absents. À la majorité des voix, d'exiger l'expulsion pure et simple du curé. Mais comment s'appelle-t-il? Oui, oui, tant pis, laisse-le en blanc. Oh, un curé, c'est plutôt en noir. Pour contravention au règlement de police concernant l'usage immodéré des cloches. Ah, mais c'est une plaisanterie. Oui, parce que le premier grillé, on en trouvera l'autre. Voilà donc 1800 ans après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, où en est cette paroisse? À quoi vous a servi le sacrifice du calvaire? Oh, mes pauvres amis, je vous le demande. Jésus-Christ est-il mort ou pour rien? Il vous aime toujours. Il vous a fait. Et vous vivez loin de lui, dans la peau du péché. Et une fois caché dans ce bourbier, vous ne savez plus vous en sortir. Ah, s'il y allait de votre fortune, vous sauriez bien vous tirer de la mauvaise part. Parce qu'il n'y va que de votre âme, alors vous y restez. Et décidez de lutter contre votre défense. D'abord contre le péché d'âge. L'immense, l'indifférence religieuse et tous les désordres qui s'enfuient. Je n'ai pas besoin de désordre de l'église. Vous ne serez pas déguisé en un moment. Continuez de pécher contre lui. Le péché, le bourreau de Dieu, l'assassin de votre âme. Voilà d'où vient votre misère.
vous m'embrassez. De robes et de manteaux, j'en ai trois chariots. Qui dans les autres pays portés pour vendre à la foire de Hollande. Et la bouffée, les ennuyés, qui fouillent tout. Tandis que celle qui est en paix avec Dieu est toujours dans la mort. Vous êtes venu demander pourquoi votre bétail est maigre et va la tête baissée. Il est tout simplement à l'image de votre âme. Et leur bonnet clamé fut bientôt chuché. Le cri de la paix, le cri de l'ange, c'est la prière. Le cri de la paix, c'est le péché. Et vous, j'ai des bénédictions sur vous, sur les bons. Qu'est-ce qui se passe? Il va faire augmenter le rendement des herbages dans la région. Le cri vers Dieu. Mais approchez-vous donc. Les tables de votre vieille église, sur lesquelles vous mouillé les pères de vos pères, ne vont pas vous rouler les pieds. Ne vous étonnez pas si je sais quand je vous parle. Je parle des sous. C'est avec le bon Dieu que je parle, moi. Car il m'écoute. Prenez place sur les bancs. La maison du bon Dieu, c'est la vôtre. Et nous allons lui parler comme lui parlaient vos pères. Quittez la haine et les rancœurs à la porte. Un peu moins de politique et un peu plus d'entraide fraternelle. C'est tous ensemble, la main dans la main, que nous allons travailler au bien de la commune. Si les hommes se laissent écouter... Il a raison, on passe son temps à s'engueuler au conseil municipal. Tu vas pas lui couler le bec? Commencez par fermer le vôtre. Ne tenez pas à rien à la mairie. Bon, à rien. Ah, ouais, laisse-le, c'est un calotin. Je veux pas te dire que ces gens-là, allez, viens. Mais t'as raison. Il y a toujours des bouts de charogne dans les vies de corbeaux. Nous allons lui demander de nous aider à sortir de ce bourbier dans lequel vous vous êtes enfoncé par conscience. En délaissant ce marché, on avait pas l'entendement de placer le dimanche. Vous avez fait le premier pas, ce dur chemin de votre salut. Aujourd'hui, la bonne révolution de l'art a commencé. Et le bien ne l'arrêtera plus. Et vaut mieux éviter un sale. Vous annoncez que vous quittez le pays pour raison de santé. Mmh. Vous voulez pas partir? Non. Alors on va s'adresser à votre évêque. Comme vous voudrez, vous lui obéirez. Et si on vous trouvait une bonne cure, hein, une ville, ici, ben, il y a peine de quoi manger. Oh, mais c'est excellent, mes bonnes terres. Si vous voulez me faire l'honneur d'en goûter une, monsieur Sanson, c'est de bon cœur. Croyez avoir gagné la partie parce que vous avez converti 2 douzaines de crétins, hein. Mais n'ayez crainte, on ne se pas faire. Il est contrevenu au règlement de la police municipale, qui interdit les processions, les quêtes, les attroupements sur la voie publique et la propagande subversive. Non, monsieur Sanson, faites-moi un prisonnier. Et ne riez pas. C'est le dernier avertissement que je vous donne. Après. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous? Bien. Je vais dire à moi, monsieur le curé. Non, mais vous n'allez pas vous mettre à lécher les soutanes, hein? Si jamais votre mari apprenait ça. Mais son mari viendra aussi, monsieur Sanson, n'ayez crainte. Quoi? On est faim? Eh ben, si sa lunette met dans la calotte, je vous jure que je me fais sacristain. De plus en plus mal. Que voulez-vous que je fasse pour lui? Vous savez beaucoup de choses, monsieur le curé, je suis sûr que vous pourrez le guérir. Moi, oh non, 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 non. Et si le bon Dieu veut y mettre du sien? Venez, ma brûle, je vous accompagne. Attention, monsieur Vialet. Pas d'exercice illégal de la médecine. Il y a un exercice illégal de la charité, alors je suis en faute.
par là, monsieur le curé. Alors, mon petit gars, où est-ce que tu as mal? Il y a longtemps qu'il est comme ça? Près de 6 mois. Tu n'as pas fait venir un médecin? Mais il n'y en a pas dans le pays. C'est le père Clément, leur bouteille, qui soigne. Qu'est-ce qu'il lui a ordonné, ce père Clément? De drôles de choses. Du bouillon de sang d'une poule noire, tué à la pleine lune et coupé d'eau de vie. À votre bonne santé. Et que vos affaires n'aillent pas de mal en pis. Pourquoi? J'ai l'impression que votre clientèle pourrait bien diminuer. Et qu'est-ce qui peut vous le faire croire? Les curés, ça se mêle souvent de ce qui ne les regarde pas. Celui d'Arles, surtout. Donc, il n'y a plus que ça qui se mettent à soigner les malades. D'Arles, il guérissait le petit Vérufin. Ça pourrait vous faire du tort. Le petit Vérufin? Je suis d'un brin qu'il jamais n'osera rester chez eux. Là, pourtant, il y est. Quoi? C'est comme vous le dites. Vous pouvez jurer? Ah, j'ai pas l'habitude de mentir. Ça ne va pas se passer comme ça. Donnez-moi un peu de lait sucré. On va essayer de l'alimenter doucement. Avant tout, ma bonne dame Ruffin, il faudrait cesser ces pratiques de sorcellerie. Elles ne peuvent qu'aggraver la maladie de cet enfant. Votre père est paralysé? Oui. Il y a longtemps? De 5 ans. Il est tombé d'une échelle en montant à la grange. Et depuis 2 ans, il a complètement perdu l'usage de la parole. Nous sommes tous voués aux déchéances de l'âge, mon père. C'est vous qui êtes allé chercher le curé? Mon petit Jacques était au plus mal. Vous ne vous plaindrez pas s'il lui arrive malheur. Quelqu'un doit tuer les malades, ce serait plutôt vous que moi. Et je vous prie même de ne plus continuer vos charlataneries sur tout le territoire de ma paroisse. Faites attention à ce que vous faites. Vous pourrez vous en cuire. Et que nous verrons. Je viendrai lui rendre visite dans la soirée. Dites-moi, madame Ruffin, est-ce qu'il a été baptisé, votre petit malade? Oh oui, monsieur le curé, en cachette de mon mari. Donc, si monsieur Ruffin est tellement du coup, pourquoi viens-vous le connaître? Le curé, comme c'est le dit, il va voir quel bois je me chauffe. Oui, c'est moi. Casse. Je t'apprendrai à faire entrer cette prêtre chez moi. Personne ne m'en empêchera. Écoute-moi bien. Si jamais il remet les pieds ici, je le sors à tout gourdin. Il reviendra. Qu'est-ce que tu dis? J'ai le droit de tout essayer pour sauver mon petit. Thank you.
mon fils. Dans cette église. Si vous avez quelque chose à me dire, vous pouvez sortir. Si tu veux, ne laissez pas t'échapper. Les hommes fermés, on a attaqué notre curé. Hein? Ils sont venus chercher à l'église, ils vont lui faire un mauvais parti. À vous qui l'appelez, hein? Il est venu chez moi pendant mon absence. Je suis venu pour le soigner, mais il est mort après ton départ. Si tu as voulu reprendre cette pauvre petite âme innocente. Eh bien, il va te reprendre, toi aussi. Arrête-toi. Toi, si monsieur le curé est coupable, ça n'est pas à toi de le juger. Montagez-vous, monsieur le curé, et attendez. Il n'y a rien pour attendre. Reste là, je vais surveiller. Non, 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 c'est inutile. Si Dieu me protège, il saura bien les confondre. Ruffin, qui saccagé dans votre chambre? Tant mieux, c'était encore beaucoup trop beau. Aperçu de rien. C'est pas le conseiller qui donnait du lait. Celui-là. Oui. Petite sainte Philomène, vous qui avez été torturée dans votre chair, protégez-moi. Tu peux compter sur elle. Elle n'a même pas pu échapper aux soldats romains qui l'ont percé de flèches. Si elle le veut, elle saura faire éclater la vérité. Il n'y a pas de doute possible. Il veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a, Père Ruffin? Il est mort. Il est un bouteux. Vous l'avez vu? Oui. Il a versé. Poison dans le bol. Clément, tu es sûr? Chère petite sainte, j'ai confiance en vous. Aidez-moi. Montrez-le. Monsieur le curé, on vient d'arrêter le rebouteux.
C'est lui qui avait empoisonné le petit Ruffin. Seigneur Jésus, Sainte Philomène a exaucé ma prière. Nous allons porter ses reliques à l'église et nous lui ferons faire une belle chasse dorée, Mère Bibotte. Elle sera la patronne d'art. Il va pas mieux. Il paraît que ça s'arrangera avec le temps. Ça n'empêche que le curé qui voulait emporter est toujours là. Ah ben j'attends mon œil. Il l'apportera pas en paradis. Mon démon, t'es comme les autres, malheur. Depuis 12 ans, personne n'est arrivé à le déloger. Il a mis la main sur tout le pays. Bonjour, monsieur Malheur. Je viens vous demander votre vol pour l'œuvre de la Providence. Vous, Catherine Lassagne, voulez-vous me foutre le camp? Non seulement votre curé a fait un mauvais sort à mon gosse, mais il m'enlève tous mes clients. Et vous avez le culot de venir piéter ici? J'aimerais mieux crever que lui donner un coup. C'est pas pour lui, mais pour les enfants abandonnés de notre orpheline. Une racaille qui ramasse partout, qui fait gueuler sous mes fenêtres. Vous voulez dire que si ça continue, j'irai lui fermer la bouche à sa marmaille. De Sa Majesté le Roi Louis-Philippe. La municipalité a décidé d'organiser dimanche prochain une grande fête à Arles. Elle convie la population à pavoiser et à décorer les rues. Grand bal public au Café Malheureux. Défilé avec la fanfare de Saint-Rémy et retraite au flambeau. Encore un bal, encore à danser. Nous n'arriverons jamais à les corriger, c'est pour vos enfants. Il faudra continuer à les secouer un peu. Soyez sans grâce, ma bonne Catherine. J'en perdrai plutôt la vie. C'était l'avènement d'un nouveau roi qui ne sera peut-être pas meilleur que le précédent. L'avènement d'un nouveau roi, sans doute encore plus tyrannique que le précédent. Le précédent. Ses paroles subversives et républicaines, prononcées du haut de la chair d'Arc. Et républicaines, prononcées du haut de la chair d'Arc, ne peuvent qu'encourager la population à souhaiter le renversement de la monarchie et à ramener... La monarchie et à ramener... Eh bien, à ramener quoi? Les sombres jours de la terreur. Ça tant pis. Veuillez croire, monsieur le procureur du roi, à nos sentiments de profond dévouement à la cause de Sa Majesté. Et qu'est-ce que je signe? Un groupe d'habitants de la commune d'Arles. J'entendrai au voiturier de la poste pour qu'elle soit à Lyon demain matin. Ah, si jamais on arrête le jour de la fête, je prends une de ces cuites comme on n'en a jamais envie depuis Noël. C'est vrai, ça. Bonjour, monsieur le curé. C'est un cadeau qu'on vous a fait, monsieur le curé. La bonne madame Desgarets. Bien vu, dis-toi.
Tu vas annoncer à tous les gars du village que monsieur le curé distribuera des bonbons à tous ceux qui viendront se faire inscrire pour le pèlerinage de Fourvière après la messe. Tu as bien compris? Des rondoudous, des caramels, des sucres d'orge et des pralines. Tiens, on a déjà un pour toi. Tu as bien compris, hein? Alors dépêche-toi, on vient vite. Ça ne verront pas leurs parents s'enivrer. Procureur du roi, nous pouvons nous mettre à votre disposition pour nous saisir de la personne du dénommé Vianney Jean-Marie, curé de votre commune. Notre curé? Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Conspiration contre la monarchie, propos subversif. Lui? Oh, on s'est trompé, voyons. Allez, m'attendre au café Malraix. Oui, on réglera ça après le vin d'honneur. Hein. Ah, je t'accompagne. Et venez. Nous partirons le matin à 8h. Tiens. Un petit Malraix. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi, tu voudrais venir au pèlerinage. Mmh. Approche, mon enfant, viens. Qu'est-ce qu'il y a? On m'a dit que vous n'aviez plus mes jambes. Je viens vous demander si vous devriez bien me les rendre. Mais je n'y peux rien, mon pauvre petit. C'est le bon Dieu qui a permis ton infirmité. Peut-être pour qu'elle te fasse gagner le ciel. Enlevez-moi, monsieur le curé. Est-ce que tu as essayé de marcher sans tes béquilles? Non. Eh bien, essaie. Sainte Philomène, qui fut elle aussi une enfant martyre, intercèdera peut-être pour toi. Thank you.
femme. Pardonnez-moi, monsieur le curé. Oui. Le bon Dieu te pardonne. Seulement, tu n'es pas en règle avec lui. Il faudra aller à Misérieux faire célébrer votre mariage religieux. Pourquoi ? Vous voulez pas nous marier ? Je n'en aurai plus le temps puisque les gendarmes viennent pour m'arrêter aujourd'hui. Non, vous ne le serez pas, monsieur le curé. C'est moi qui ai menti, qui vous ai calomnié. J'irai me livrer à votre place. Malheureux, tu as accusé un saint. Car ce prêtre regarde le cœur de l'homme avec les yeux de Dieu. Il va donner le meilleur de lui-même aux pèlerins qui vont bientôt accourir des plus lointaines provinces de France, dans l'église restaurée, où, prisonnier du confessionnal, il libérera les âmes du péché, ne cessant de pardonner, de guérir ces foules qui viendront l'attendre nuit et jour dans le petit village à la célébrité grandissante, où se retrouveront tous ceux qui n'espèrent plus qu'en une intervention du ciel. Toutes les voitures qui viennent ici, vous devez en gagner de l'argent. Oh, n'empêche que c'est une honte. Si le pays continue à être envahi par les calotins, moi je boucle ma porte. Tu viens avec moi ce soir, la bonne de Trévoux ? Non. Oh, non, mais ça va pas mieux, non ? Tu vas te faire l'homme, toi aussi ? Je vous prie de ne plus me tutoyer. Oh, non, mais vous voyez ça. C'était la plus grande catin du pays, et la voilà qui bouffe des messes à longueur de journée. Si ça lui plaît. Oui, allez, vous pouvez ramener votre carte. Allez, allez la faire ferrer au paradis, si vous voulez. Avec des fers en hostie consacrée. Ça la fera voltiger par-dessus les obstacles. J'en ai assez de bourgeois réactionnaires, vous m'entendez? Et s'il reste un libre penseur ici, ça se voit. Non. Allons. Il est interdit de venir attendre notre saint curé ici. On vous a servi la place de l'église. Occupez-vous un peu du service d'ordre, puisque vous êtes son auxiliaire, sinon ils vont l'épuiser. Voilà un homme qui ne se repose même pas 2 heures par nuit, voyons, allons. À quelle heure vous allez voir? Il vous préviendra, pour l'instant, il prie pour vous. Allez, 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 allez. On vous regarde.
l'apothéose. Ils sont tous là qui t'attendent, pour que tu les confesses, pour que tu lises dans leurs pensées. Tu es un grand homme maintenant. Tu as déjà ton portrait dans les maisons. Après ta mort, tu seras célèbre. Tu élèveras des statues dans toutes les églises du monde. Laisse-moi. Tu as déjà converti des foules immenses, exaucé des vœux, guéri des malades. Et peut-être qu'un jour, grâce à toi, la plupart des humains seront sauvés. Alors, avoue-toi vaincu. Il va-t'en. Mais non. Imbécile. En sauvant les autres, tu t'es perdu toi-même. Moi ? Regarde ton âme. Elle est noire. Que tu le veuilles ou non, tu prends pour toi les hommages qu'on te rend. Tu es fier de l'adoration des foules. Tu te crois l'égal de Dieu. C'est bien que non. Tu es à moi jusqu'à l'impossible fin de l'éternité. Jamais plus tu ne pourras te débarrasser de ton péché d'orgueil. Tu es perdu. Pas encore. Je lutterai jusqu'au bout. Je me sauverai. J'ai confiance en Dieu. Vous m'avez appelé ? Non, mais vous avez bien fait de venir. Regardez dans quel état vous vous mettez avec toutes vos privations. Vous ne dormez déjà plus parce que vous avez donné votre paillasse à un pauvre et vous vous rendez malade avec vos pénitents. Vous pouvez descendre, j'ai préparé votre déjeuner. Vous ne mangerez pas. Mais c'est de la folie. Vous ne mangez jamais. Vous vous tuez. Madame Bibost, il faut que je m'en aille. Où ? Je veux quitter Ars. Je veux m'enfermer dans un monastère. Vous ne pensez pas ? Et que deviendraient tous ces gens que vous pouvez ramener à Dieu ? J'ai peur de me perdre. Vous m'entendez ? Vous voulez rire ? Vous êtes un saint, monsieur le curé. Madame Bibost vous interdit de prononcer cette parole. Il ne faut pas vous laisser aller au découragement. Tenez, allez voir vos enfants à la Providence. Ça vous changera un peu les idées. Le bon Dieu écoute toutes vos prières. Où tenez-vous, malheureux, je suis le plus misérable des pécheurs. Ma curé, par grâce, priez pour elle. Soyez sans crainte, elle guérira. Et vous la perdrez. Comment ? Elle prendra le voile au clary. Seigneur, le pécheur. Oh, ma pauvre enfant. Il faut quitter tout de suite cette existence de débauche. Sinon, vous finirez à l'hospice dans d'abominables souffrances. Mais soyez sans crainte. Le bon Dieu vous aidera. Venez, mon ami, il faut vous confesser. Mais... Oui ? Cachez-vous. On est pressé, là-haut. Vous n'avez pas de mémoire, je vais vous rappeler vos péchés. Vous ne vous êtes pas confessé depuis votre première communion en 1825. C'est vrai. À l'âge de 16 ans, vous avez commis un vol. Ça fait du bruit, tu vas voir. Dende gaudi absolvi peccatis tuis in nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Maintenant, vous pourrez mourir en paix. Vous avez confessé sur la place, vient de mourir d'un accident. Merci, mon Dieu, de m'avoir averti à temps. Ne mens pas, Malraye. Avoue qu'on a tout essayé pour le faire partir. Ah oui, c'est vrai, on s'est bien mal conduit envers lui. Mais il s'est bien vengé en nous convertissant tous. Ainsi, moi, il m'a eu en guérissant mon fils. Il est là? Ah, oui. Paul. Voilà le premier miraculé d'art. Je ne pouvais marcher qu'avec des béquilles. Je ne veux pas vous distraire de votre véritable occupation. Si vous avez un instant tout à l'heure, je me ferai un plaisir d'avoir des lectures. Volontiers. Il faut que je te parle, Paul. Allons dehors, veux-tu? Rendez-vous. J'ai beaucoup de travail ici. Tu ne m'aimes plus? Si, Louise. Alors il y a quelque chose qui te déplombe de moi? Non. Tu changes de jour en jour, Paul. Si tu savais comme je souffre. Moi aussi. Mais rien ne peut nous empêcher de nous marier. Si. Quoi? Je ne peux pas encore te le dire. Tu en aimes une autre? Oh, mais non, Louise. Attends-moi ici, hein, je vais revenir. Vous ne voulez rien prendre? Non. Alors allez vous reposer. Je n'aurai plus jamais de repos. Encore des lettres. Épouvantable, tenez. Vous déshonorez votre habit en voulant passer pour un saint. Et c'est signé? Un curé qui honore le sien. Monstrueux. Autant vous êtes un saint, vous n'êtes qu'un sorcier. Un sorcier du ciel. Celle-là est affreuse. Ça fait la foi, je suis venu vous voir, je n'ai pas été guéri. C'est à cause de vous maintenant que je ne crois plus. On veut vous accabler. Non, ils ont raison. Vous ne pourrez jamais les sauver tous.
Entrez. Mon petit Paul. Je parie que tu viens me redemander tes béquilles. Oh non, monsieur le curé. Je veux me faire prêtre. Ah. Mais j'y pense depuis des mois. Je ne peux pas te croire obligé de te donner à Dieu parce qu'il t'a guéri, mon enfant. Notre Seigneur n'aime pas les vocations conditionnelles. Mais je suis sûr de moi. Sais-tu ce qui arriverait si tu entrais dans les ordres? Non. Tu ferais un mauvais prêtre. Pourquoi? Parce que tu ne pourrais jamais oublier Louis le Marchand. Vous savez, c'est facile à voir. Tu as une âme aussi claire que du cristal. On lit dedans si facilement. Va, mon petit, va. Il t'attend. Tu lui diras que je vous marierai le mois prochain. C'est une bonne fille. Tu tâches d'avoir beaucoup d'enfants pour qu'il y ait encore plus de chrétiens sur la terre. Vous n'allez pas me laisser seul. Je vais porter des consolations aux malades. Si vous avez un instant, priez pour moi. Volontiers, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas besoin. Vu que vous me croyez. Je ne te donne plus que quelques secondes pour proclamer ma gloire. Amen. Alors va-t'en. Sinon, je vais te faire mourir de frayeur.
Tu vois, on arrive toujours à s'entendre avec moi. Puisque tu es parti, je protégerai ta retraite. Tu auras une vieillesse heureuse. Alors, Personne. Je l'ai vu partir dans cette direction. Vous êtes sûr? Oui, oui. Allons-y. Allons-y. Mes enfants. Allons, allons, revenez. Revenez avec nous, monsieur le curé. Non, je veux me retirer. Je n'ai plus assez de temps pour pleurer mes pauvres péchés. Mais vous êtes un saint. Oh, si vous voyez mon âme. Faites-le pour moi, monsieur le curé. Et qui bénirait mon mariage? Monsieur le maire! Monsieur le maire! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu à la cuve. Oh, allons, vite! Vous voyez bien, le diable ne veut pas que je revienne. Je ne plus pour le combattre. Non, je ne suis pas. Il y a le feu à la cuve. Le curé, non? Non, il était à ça. C'est un miracle de plus. Si les miracles continuent, je ne désespère pas un jour de voir mes fers se fabriquer tout seul. Sur un fagot. Où êtes-vous parti, monsieur le curé? Je ne sais pas. J'ai fait l'enfant. D'autres moyens pour te faire partir. Non. Tu te crois donc bien fort. Je suis fort. De l'affection de tous ceux qui m'ont ramené ici. Et je ne quitterai plus Arf. Mais je te poursuivrai sans répit. Pauvre grappin. Tu ne peux plus rien maintenant contre moi. Et je ne veux plus t'entendre. Et je ne t'entendrai plus. Eh bien, tu vas voir. Je n'en ai pas fini avec toi. On ne m'abat pas si facilement. J'en ai vaincu d'autres que toi.
un insigne honneur pour nous que Sa Majesté l'Empereur Napoléon III ait bien voulu décerner à Jean-Marie Baptiste Vianney la croix de la Légion d'honneur. Mais je sais, pas toujours placer les bouclions. N'empêche que la célébrité m'a procuré une source de bienfaits pour la commune. Tu oublies que ton père a été ton plus farouche ennemi autrefois. Respecte au moins les morts. Pas ceux qui ont retourné leur veste pendant leur vie. Moi aussi j'ai retourné. J'ai reconnu que l'envers était meilleur que l'endroit. Eh bien, moi je garde la mienne comme j'ai toujours porté. Parce qu'elle est aussi crasseuse des deux côtés. Répète-le. Et laissez-le, Ruffin, son sectarisme l'étouffe. Non, monsieur le comte. Il m'anime. En 68 ans, j'ai connu 7 régimes. La République, l'Empire, Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, la Seconde République et le Second Empire. J'ai connu la liberté et l'oppression. J'ai vu les hommes changer de livret chaque fois qu'ils ont changé de maître. Fidèle au legs, j'ai été sous Robespierre. Il ne sera pas dit que je continuerai à conduire les destinées de ce bastion du cléricalisme. J'attendrai pour reprendre ma place ici que la démocratie chasse à nouveau les tyrans. J'ai dit. Vous avez lu ma démission. Bon débat. Ce n'est pas un mauvais homme, mais la gloire du curé d'Ars l'empêche de dormir. Messieurs, la première messe doit être finie. Je vous propose que nous allions décorer notre saint dans sa cuve. Bonne idée. Vous voulez démissionner? Et pourquoi? Vous continuez à me payer comme sacristain. Je vais avoir 100 ans dans 2 mois. Je suis plus bon à grand chose. Vous avez été mon fidèle serviteur depuis mon arrivée à Ars. Vous resterez jusqu'au bout. Oh. Oh, voilà du monde. C'est moi que vous venez voir? Eh oui, monsieur le curé. Monsieur Jean-Marie Baptiste Vianney, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Bon, merci, monsieur le maire. Je ne suis pas digne de recevoir cette décoration. Vous l'avez bien mérité. Non. Rien mérité du tout. Vous la donnerez à Albert Lebourg qui a perdu sa jambe en Crimée. Il la mérite mieux que moi. Mais c'est impossible. L'empereur vous l'a décerné à vous. C'est bien joli cette médaille. Hein? En quoi est-elle? En vermeil. Vermeil. Où je la garde? Je la vendrai pour nourrir mes petites de la Providence. Donc merci tout de même, monsieur le maire. Votre dérangement. Seulement, il en manque un. Hein? Vos collègues, que j'aurais eu beaucoup de plaisir à voir ici, tout particulièrement. Vous le connaissez, monsieur le curé, il est incorrigible. Faut tout de même que je le ramène, celui-là. C'est la seule brebis d'Ars qui s'obstine à ne pas suivre le troupeau. Va mourir. Usé par les privations, les sacrifices volontaires, l'intensité de son action sacerdotale, je s'apprête à parler devant Dieu, tout nappé de la gloire réservée. À cet instant suprême, laissons notre pensée aller vers lui et demandons à Dieu de lui épargner les arbres de l'inconnu. Thank you.
Vous pleurez, monsieur le curé. C'est triste. La communion. Pour la dernière fois. Mais vous avez communié directement avec Dieu. Au milieu de toutes les âmes que vous avez ramenées à lui. Il en reste tellement à convertir. Que bon Dieu est bon quand on ne peut plus aller à lui. C'est lui qui vient. St. John Vianney died on August 4, 1859, at the age of 73. Because of his impending beatification, his body was exhumed on June 17, 1904. Against all the laws of medicine and science, the saint's body was discovered to be completely incorrupt. And it remains so to this day, displayed in a special glass coffin at his shrine in Ars, France. Pope St. Pius X beatified him on January 8, 1905,
Pius XI canonized him on May 31, 1925. And in 1929, the church proclaimed him patron saint of all the parish priests throughout the world.